rappeler, parce que vous allez devenir nos futurs partenaires officiels. Et on avait quelques questions à vous poser, tout simplement. La première question, c'est qui est Optique Pérignon? Depuis quand vous êtes installé sur Toulouse? Vos ambitions, vos valeurs, dites-moi. Alors, tu y allais ou j'y vais? Le magasin, il est installé depuis 30 ans, c'est un magasin de quartier, voilà. Et avec Jean-Philippe, nous, on l'a racheté depuis bientôt 3 ans. On l'a racheté avec une ambition qui était donc de faire ce que nous pensons savoir faire, c'est-à-dire redynamiser ce magasin en le sortant de son côté très généraliste au niveau des produits qui étaient à vendre et au niveau des façons de faire. En apportant vraiment notre petite touche voilà. Au niveau des produits. Alors justement, votre petite touche, c'est quoi? Alors en fait, si tu veux, c'est que nous, on est passionnés tous les deux donc de belles lunettes. Donc on a la chance de pouvoir faire pas mal de salons en France ou en Europe. Et du coup, on adore récupérer donc pour nos clients tout un tas de produits, aller dénicher des nouvelles marques, voilà. Des nouveaux produits originaux en matériaux, des créateurs. Voilà, on travaille beaucoup avec des créateurs, tout ce qui est société un peu innovante dans la façon donc de fabriquer, dans les produits, dans les matières en fait. On a des relations privilégiées parce qu'on va régulièrement aussi visiter les usines de production. Donc en fait, on a un bon partenariat sympa, donc c'est ce qui nous plaît. Du coup, on souhaite faire partager tout ceci à nos clients, aux gens qu'on connaît. Et voilà, donc on attache une très grande importance également donc à ce que nous appelons l'expérience client, c'est-à-dire en fait un accueil personnalisé, une proposition personnalisée. Et une histoire de chaque produit du coup, en expliquant vraiment chaque produit, où est-ce qu'on l'a trouvé, d'où ils viennent, une histoire des produits. Voilà, et puis un conseil permanent, ouais. Donc on essaie d'être très à l'écoute. On sait que ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est pour cette raison-là qu'on ne veut pas travailler dans une grande chaîne. Parce que nous, le temps, on veut vraiment l'accorder donc à nos clients. Et on a la chance d'avoir des clients qui nous suivent depuis très 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 longtemps, même si ça ne fait que 2 ans et demi qu'on a racheté. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre profession d'opticien? Ce qui est génial dans le métier, c'est qu'il est vraiment très varié. T'as vraiment plusieurs côtés, donc t'as le relationnel, le côté technique et le côté mode avec tous les produits. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir diverses étapes donc avec nos clients, de l'accueil en magasin jusqu'au suivi personnalisé une fois que le client donc, rentre chez lui donc, avec ses lunettes, où effectivement il y a de la relation, il y a un véritable échange, il y a une bonne ambiance dans notre magasin parce qu'en fait les gens viennent beaucoup à communiquer même entre eux quand il y a un peu d'attente des fois. Donc ça c'est intéressant, ce qui veut dire qu'on est... On essaye d'être assez relativement convivial en fait, et que tout se passe bien, que les gens soient heureux et que ça se passe très bien. Après, c'est vrai que tout ce qui est travail d'atelier, de façonnage de lunettes, tout est fait ici dans notre propre magasin. Il est hors de question de pouvoir faire recycler cette partie du travail comme bon nombre de personnes le font à ce jour. Le travail sur les lunettes dont on vous a parlé, on s'intéresse beaucoup aux sur-mesure, du travail sur des matériaux type le bois. Ou autre, notamment on a quelques petites lunettes ici qu'on peut vous montrer, des lunettes en algues que vous connaissez puisque vous avez découvert la semaine dernière. Des designers qui font de la très belle lunette sur Berlin, beaucoup d'autres produits. On a des marques de mode inconnues hein, comme Gucci ou autre, hein, donc ça oui, on en a quelques-unes, mais c'est pas quand même tout à fait notre essence. Réellement notre essence. Mais après on en a parce qu'on tient à avoir des produits autres aussi que du créateur et du design. Et après en côté technique, ce qu'on fait beaucoup aussi du coup, c'est les examens de vue. Donc voilà, dès que vous sentez qu'il y a quelque chose, un problème visuel ou quoi que ce soit, nous on a tout derrière pour déceler le problème. Voilà, donc on travaille beaucoup en fonction notamment justement de la loi qui nous est accordée quand même, oui. Les examens de vue, puisqu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc il y a une loi qui nous permet de faire pas mal de choses, donc on s'y est mis depuis très longtemps et c'est ce que nous faisons. Et sinon, la lunetterie Pérignon, ça cible quel public? Ah, ben nous adressons à toute la clientèle. Si t'es à la mode, tu peux venir, il n'y a pas de souci, tu trouveras tout ce qu'il faut ici, regarde-nous. Si tu es un enfant, tu peux venir aussi. Si tu as des grands-parents, tu peux venir aussi. Mais nous attachons quand même beaucoup, beaucoup d'importance à la mode. En quelques mots, on aimerait bien savoir pourquoi vous avez décidé en fait, de soutenir la Réunion des Nanas, cette association-là.
Alors, parce que c'est de manière très clairement, parce que c'est un groupe de filles, de drôles de dames, qui font très très bien les choses et qui en a marre de toujours soutenir des mecs. C'est une très bonne raison, dis-moi. Hein? Et bien pour moi, la Rue des Nanas, c'est vraiment une équipe de drôles de dames qui a une façon innovante de faire découvrir plein de différents sports dans différents lieux. Voilà. La Rue des Nanas, pour vous, c'est quoi? Un vent de fraîcheur dans ce monde de brutes.